Peux-tu lâcher ton sel, s'il vous plaît? Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à Déo 2022. Ce soir, les garçons sont déjà confrontés à une décision déchirante au tapis rouge. Ils devront choisir les candidates 2022. C'est Varicelle, j'ai 26 ans, je suis entrepreneuse puis j'ai aussi une chaîne YouTube pour enfants. Je voyage partout dans le monde pour toucher le plus d'enfants possible. Je suis nomade, je reste jamais au même endroit, une ou deux semaines, ça me suffit. Hi, moi c'est COVID-19 ou Coco si tu like. J'ai 19 ans. Dans la vie, moi j'aime tout le monde, mais j'ai un petit fait pour les gars plus vieux, genre CHSLD. Je pense dans la maison, je m'entends avec tout le monde, sauf Grippy. I mean, on est tellement different, je suis tellement, tellement plus grave. I'm a bad girl. Salut! Moi, c'est Griffe ou Griffy pour les intimes. J'ai 27 ans, je viens de Tadoussac et dans la vie, je suis quelqu'un qui aime vraiment toucher à tout. Les gens qui me rencontrent me disent que j'ai une énergie hyper contagieuse. On se voit plus tard! C'est super cool la maison des gars. On s'entend super bien. C'est super cool dans la maison des gars, là. Je me fais plein d'amis. C'est vraiment le fun. Tu t'entends bien avec les autres. God! Qui a pris mon rouge à lèvres Fenty X Bad Girl? Grippy! Oui? How dare you? Que quoi? Tu as pris mon rouge à lèvres Fenty X Bad Girl? Lui? Oh, yes. Dans la maison des filles, elles prennent le temps de s'installer et elles font connaissance. Yeah! Arrête, big. Ça me trigger les bananes, OK? Donc, comme vous pouvez voir, ça se passe vraiment bien dans nos maisons. Genre vraiment bien, là. Vraiment bien. Et c'est pas tout. Pour la première fois, ce soir, vous pourrez voir les filles et les gars réunis dans une ambiance yop. Non, non, Jay, on peut pas dire ça. On a perdu cette commandite-là. Dans une ambiance, ambiance. Ouais, non. J'ai pas compris pourquoi elle m'a sauté dessus. Tu sais que je trouve que t'as des très beaux yeux. Ouais. T'es sûr que c'est pas mon rire que tu préfères? Ouais, je sais, je devrais pas, mais. J'ai très envie de. De quoi? De. Embrasse-moi, grand fou! Tu pensais vraiment acheter comme les autres filles? Je suis unique et différente. Ouh. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine à. Hey, pour vrai, là, je suis tanné.
Je vais retourner faire de l'humour, un show de cuisine. De ce qu'on a jusqu'à présent. Mail est vide. Justement, c'est pour ça qu'ils ont besoin de vous. Sacre bleu, bon à rien, ceux-là. Mais j'ai des suspects qu'on peut interroger. Emmenez-les tout de suite. Ici? Ici. 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 Ah, Harry. Mes condoléances. Votre mère, la reine est morte. La reine est morte? La reine est morte. La reine est morte. La reine est morte! La reine est capote. Dis-nous donc où tu étais la soirée du 29 février à 14h47 et 24 secondes. Je jouais au bingo. Vous savez, la famille royale ne m'intéresse plus vraiment. Je ne sais pas pourquoi vous m'interrogez. Vous vous intéressez plus à la famille royale parce que vous avez tué la reine. Ça pour l'hypopète, je le savais. Mais pas du tout. C'est parce que la famille royale n'avait que du margarine. Et nous savons très bien qu'avec du beurre, c'est bien meilleur. OK, je vous crois. C'est une bonne raison de quitter la famille royale. Amenez le prochain suspect! La reine est morte. La reine est morte! La reine est morte. La reine est capote. Dis-nous donc où tu étais. La soirée du 29 février à 14h47 et 24 secondes. Si on ne dit rien, ça veut dire qu'il sait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a tué la reine! Il a tué la reine? Il a tué la reine! Amenez-la au commissariat! Venez, on va au commissariat. Voici un nouveau suspect, le chien de la reine. La reine est morte. La reine est morte. La reine est morte. La reine est capote. Dis-nous donc où tu étais la soirée du 29 février à 14h47 et 24 secondes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Ruff, ruff! Mais qu'est-ce que tu fais, Malfolie? Mais c'est du ketchup! La reine est morte en s'étouffant sur un hot dog. Il faut aller arrêter le marchand de hot dog. Nous sommes aujourd'hui au palais de justice pour le procès de Amber et Johnny. Johnny a été accusé d'avoir été violent avec sa femme depuis quelques années. Bâtard de femme! Tueur en série! Le gâché pirate des Caraïbes! C'est en prison! En prison! En prison! En prison! En prison! En prison! Silence! Silence! La parole est à vous, Madame Amber Heard. Je suis ici aujourd'hui parce que mon ex-mari m'accuse d'être une menteuse et d'avoir ruiné sa carrière. Tout en votre honneur, monsieur. À la défense? Elle a publié un éditorial en m'accusant de violence conjugale, votre honneur. Je n'ai jamais frappé une femme de ma vie, sauf une fois. Silence! Silence!
Sauf une fois dans les films de Pirates des Caraïbes. Ah. Non, mais j'ai essayé de le faire raisonner. J'ai essayé de réagir verbalement, mais... Elle a chié dans mon lit! My dog stepped on a pee! Not ready, Mort! T'es dans le mauvais sketch, man! Oh, sorry, moi. Hey, hey, hey! Mais qui vous a donné l'autorisation d'interrompre le procès? Elle ne sait pas je suis qui. Get ça. Selon l'article 18-4, Édouard Romain d'Argent ne peut pas être déclaré coupable. C'est vrai, mais comment tu sais ça? C'est parce que je suis abonné à Mustac. Mais on envoie qui en prison? Fait qu'on pourrait envoyer le gars à côté de moi. Il fait vraiment peur. Adjugé pour le pire film d'horreur de 2022, Smile! En prison! En prison! En prison! En prison! En prison! En prison! Nous sommes en attente du prochain procès, le procès pour la laitue. Les manifestants sont un peu énergiques aujourd'hui. Et ils sont là, en fait, pour la laitue. Ils nous disent qu'il y a une pénurie de laitue qui s'est abattue sur le monde et que la bactérie qui se trouverait dans nos laitues iceberg s'appelle la bactérie titanique. Ils ont barré les routes, les tunnels. Ah, oh, non, on me dit que les tunnels, ça, c'est juste le trafic. Mais c'est juste... Ce matin, je vais au Subway. D'habitude, je commande tout le temps la même affaire. Un 12 pouces steak. Fromage, sud-ouest et petite laitue. Ce matin, il m'est arrivé et il m'a dit il n'y a plus de laitue. Oh. Mais savez-vous, c'est quoi un sous-marin, pas de laitue, monsieur G? Savez-vous, c'est quoi? Non, vous ne savez pas. Non, vous ne savez pas c'est quoi un sous-marin, pas de laitue, OK? Enlevez-moi à mes enfants, à mes parents, mes petits-enfants, mais pas ma laitue dans mon Subway. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Vous êtes des meurtriers! Vous avez tué la viande! Vous avez tué la reine! Puis maintenant, vous tuez la laitue! Je suis sincèrement désolé pour votre tragédie. Le Subway est coupable pour pas offrir de laitue! Victoire pour les manifestants. C'était Thérèse Valiquette avec VTA Nouvelle. La craie, un outil important pour les enseignants. Alors aujourd'hui, on va l'en distribuer. Bonjour madame. Oui? Est-ce que vous voulez une craie ou que je double pour la personne suivante? Donne au suivant. OK. Bonjour madame. Est-ce que vous voulez deux craies ou que je double pour la personne suivante? Oh, donne donc au suivant. OK. Bonjour madame. Allô? Est-ce que vous voulez 32 craies ou que je double pour la personne suivante? Passe au suivant. Ah. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez 128 craies? Bien, certainement. Certainement, mon beau tableau. Certainement. Monsieur Papineau, voulez-vous une craie ou que je double pour la personne après? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une craie? Moi, j'ai un tableau électronique et un tableau blanc ici. J'en ai pas besoin de ta craie. OK, d'abord. Hey, ton capuchon! Pas de capuchon à l'école! T'as l'air d'avoir beaucoup de talent. Ça te tente-tu de devenir prof? Je suis un élève, man. Ben, t'as-tu tes maths fortes? Ben, j'ai eu 49. Un peu de récup, puis on t'arrange ça. Tu pourras enseigner avec ton capuchon! On trouvera pas de prof. Non, mais tout va bien aller, tu vas voir. Bonjour, je suis ici pour le poste d'enseignant. OK. Avez-vous un CV? Oui, oui, j'ai 25 ans d'expérience dans le métier. J'ai un doctorat dans le développement de l'enfant et de l'adolescent.
J'ai aussi enseigné à l'université pendant presque toute ma carrière. J'ai été enseignante et directrice d'une école pendant 12 ans. Et j'ai 14 petits-enfants et 6 enfants que j'aime beaucoup. C'est beaucoup d'enfants pour une... Malheureusement, on a déjà trouvé tous les enseignants qu'on avait besoin. Je suis vraiment désolée, madame. Je suis désolée. C'est correct. Hey! Salut tout le monde! C'est Guylaine! Moi, je veux devenir prof. P-I-O-F-F-E. Prof! Tous nos postes ont hey, été... Eh ben là, mon collègue est un petit peu difficile. Je suis sûre que vous feriez une excellente prof. On prend un selfie! Mais... Pourquoi l'enseignement, Madame Gagnon? Vous venez d'un domaine un petit peu... différent. Yes, sir! Moi, j'ai l'expérience avec des petits pits. J'ai des enfants, moi! Je sais pas son où, mais je suis bien fier d'eux. J'ai l'expérience avec les petits morveux de ma rue qui crient tout le temps. Et vos qualifications? Yes, sir! Fait beau! Fait chaud! Sortez vos maillots! Merci. J'ai eu la joie! Hey, full connu ce TikTok. Yes, sir! C'est vraiment un beau modèle pour nos élèves. Oui. Allô? Wow! Madame Renaud, j'ai écouté vos chansons lors de ma première rupture amoureuse. My heart will go... Ah! C'est du Céline, ça? C'est pas grave, hein? C'était moi ou c'était Céline? Mais... j'étais trop vieille. Maudit Renaud Angélil. Donc, Madame Renaud, dans quelle matière vous voudriez enseigner? Mais moi, je veux pas enseigner. moi, je voudrais à la cafétéria faire des bons croissants de soleil pour déjeuner. Je t'en prierai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de... Enfin, on aura des croissants à l'école! Salut tout le monde, c'est David Lantier et on s'en va rencontrer les gens, Adam et Johnson, pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Mesdames, concierge, j'ai une livraison à la porte 22, il faudrait se rendre maintenant. Oui, bonjour Linda, mon grain. Oui, juste un petit moment, s'il vous plaît. Oui, j'avais une question. Bonjour madame, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Ben oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis gestionnaire d'établissement depuis le temps qu'on se connaît, David. Ouais, ben là, je savais pas votre poste en particulier, là. Ben, je gère les budgets, les concierges, les livraisons, les ressources humaines. C'est pas mal mon travail. Ah, ben merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Bye-bye. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Vous faites quoi dans la vie? Pas trop jasant. Salut, salut. C'est quoi ton nom? Béatrice. Et tu fais quoi dans la vie? Je m'occupe des activités parascolaires. Ah, cool, cool. Merci beaucoup. Ah, oui, ça me fait plaisir. Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va bien vous? Ben oui, vous faites quoi dans la vie? Enseignant d'éducation physique. Ah ben oui, beaucoup de corrections, hein? Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Premièrement, on dit qu'est-ce que vous faites ici? Et comme tu vois, je suis enseignant de français. C'est vrai. Ciao mon pite. On dit au revoir monsieur. Bonjour, comment ça va? À bientôt. Ça va très très bien. Vous faites quoi vous dans l'école? Tu vois pas? Agent de sécurité. Ah oui, c'est vrai. J'ai une question pour toi. T'es pas supposé être en cours? Oui, j'y retourne! Salut tout le monde, c'est David Dantier et aujourd'hui, on se revoit pour interviewer les membres du personnel de l'école Daniel Johnson. C'est parti! Aujourd'hui, on est avec... Shade, surveillant d'élève Daniel Johnson. Donc, l'élève, c'est un 10. Donc, il arrive toujours à l'heure, il est en silence, mais il court dans les corridors. Ah, je dirais peut-être un 7.5. Donc, cette fois-ci, l'élève, c'est un 10. Il est gentil, il s'implique dans l'école, mais... Mais il arrive toujours en retard, il n'y a pas un matin que j'arrive qu'il n'est pas devant la réception. Non, mais je quitte, monsieur, chanson R5, là. Salut tout le monde, c'est David Lantier, et aujourd'hui, on se revoit pour faire... Donc cette fois-ci... Non, juste un. Quand il dit ça, moi je dois faire genre. Toujours son capuchon, et les jeans dans ses trous. Les jeans dans ses trous. Moi je veux dire capuchon, trou.
Alors, une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que le fromage de la cafétéria est bon? Alors, j'ai décidé d'amener notre expert fromagier, M. Patrick Papineau. Mmh, alors, bonsoir. Nous allons goûter le fromage. Mmh, c'est intéressant. Alors, vous dites que c'est un fromage de cafétéria? Cafétéria, c'est le meilleur en ville. C'est le meilleur fromage de cafétéria en ville? Ah oui. Mmh. Alors, on remarque la texture très souple. C'est incroyable. Très crémeuse. C'est vraiment, merci beaucoup votre analyse, c'est incroyable. Je reconnais la valeur de ce fromage, je ne suis pas Est-ce certain. Est-ce que vous le recommandez? C'est là que j'hésitais un petit peu. C'est la première fois que vous goûtez ce sort de fromage-là? Oui, c'est la première fois qu'un fromage me laisse un tel arrière-goût en bouche. C'est une expérience assez unique en soi, effectivement. Fromage de cafétéria du Québec, vous dites, c'est du ça? Du Québec, c'est exactement ça. C'est d'accord, c'est assez particulier, les deux teintes de couleur aussi. On voit ici l'abondance de jus de carotte qui a été utilisé pour teindre le fromage. C'est vraiment une expérience. Alors, nous pouvons conclure que le fromage de la cafétéria de l'école secondaire d'Anne Johnson est approuvé par notre maître fromager. Je ne suis pas sûr d'avoir approuvé vraiment ce choix. Je n'ai que formulé quelques observations. Coupez. Oh! Un 10! Ça y est, un 10! Qu'est-ce que ça veut dire, Kevin? Un 10, ça veut dire que il y a une attaque de démon gorgon. Ah, mais là, c'est plate. Tu l'utilises tout le temps. Change de monstre à un moment donné. OK. Tu peux mettre un démocien. Toujours ordinaire. Ah, bien. OK. C'est un flageoleur mental. Hey, vraiment, Kevin, l'originalité, c'est pas ton fort, hein? Mais c'est pas de ma faute si vous connaissez tous les monstres. Mais ça fait quand même 4 saisons qu'on joue au même jeu. Si vous voulez vraiment, vous l'avez cherché. Je mets un. T'as pas osé. Pas un. Mais un quoi? Un. Attends, dis-moi pas que tu connais pas un. Un quoi? Ah. Ah. Oh non! C'est la malédiction! Je saigne même pas du nez! Moi non plus? Ah! Moi non plus, je saigne pas du nez! Dis rien, moi non plus! Qu'est-ce qui se passe? Ça sent la putréfaction ici. Il est même pas dans bonne série! Attaque de boule de feu! Wow! Les êtres humains, ça me répugne. Ici Pierre Bruno sur les ondes de VTA. Pour ceux qui croyaient que j'allais prendre ma retraite, détrompez-vous. J'avais des plans au Mexique. Mais avec l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre et les billets trop chers, j'ai écarté ce projet. Ce soir, le débat, où 4 bozos se disputeront pour savoir qui est le moins pire des 4. Prenez place à cet événement pour vos enjeux qui vous préoccupent plus ou moins. Bon débat. Au cœur de cette émission spéciale, François Legault, Premier ministre sortant du Québec et chef de la CAQ, Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, et même plus là, la reine, à la porte du Parti québécois, et Boris Johnson. Wouhou! Oh, sorry, guys. Désolé vraiment de mon retard. Je savais pas qu'il y avait un couvre-feu pour le débat. Première question. Quel est votre plan pour la crise du logement? C'est pas une vraie crise, ça, là. Il y a pas juste le monde de Montréal au Québec. Moi, je trouve que ça va vraiment très bien dans nos CHSLD et on en est très fiers. Moi, quand j'étais jeune, moi et mon père, on habitait dans un logement. C'était petit, mais c'était propre. Et je me souviens, ma mère, souvent, elle faisait des repas. La lasagne de ma mère, c'est la meilleure. Merci, Madame Dominique Anglade. La lasagne de ma mère. Madame Anglade, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. La question qui tue.
plus ou moins d'immigrants au Québec. Ben là, il me semble que c'est évident. C'est suicidaire, ces affaires-là. Écoutez, moi, mon père, il est haïtien. Et quand j'étais petite, il nous amenait souvent en Haïti pour qu'on puisse... pour qu'on puisse parler avec notre famille. Et on parlait dans la plage. On allait visiter nos plages. Écoutez-moi, Pierre. Écoutez-moi, Pierre. OK? Jeez, tu parles beaucoup, woman. Nous passons à la prochaine question. Hey, moi aussi, je veux dire quelque chose. Hey, mon petit Guillaume, le métis vierge. Il faut pas interrompre les gens, mon Guillaume. Guillaume, le métis qui? C'est qui, ça? J'avais juste une chose à dire pour tout le monde à la maison. Il fait vraiment beau. Il faut profiter du beau temps. Quoi, là? I love Will Smith. Yeah. Alors, mesdames et messieurs, c'était le débat électoral 2022. Fido, notre chien. Écoutez, la madame qui passait à chaque fois, elle me laissait tout le temps penser avant elle. Et le chien était tellement beau. Je vous le dis, achetez des bergers allemands, c'est la meilleure chose à faire. L'école est finie. Ah, c'est quand même. De toute façon, j'ai comme plus de réseau, là. Hey, t'es-tu encore du réseau? Ben oui, je pars avec Roger. Ah, puis en passant, fallait que je te dise. Je te laisse. Mais tu sais, on peut toujours rester amis, hein. T'es une bonne personne. Ben voyons donc. Ma blonde me laisse, y a plus de réseau. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Oh non! Oh non! La gang, on n'est pas le 31 décembre, là. Mais bonne année quand même. Bonne année quand même! Wouh! Yes, sir! Wouh! It's a wrap. It's a wrap.